valoriser le métier d'instrumentiste, créer une plateforme d'expression musicale, permettre une rencontre festive entre les musiciens d'ici et d'ailleurs. Voici ce qui a motivé le lancement de l'Africa Jamming Festival, le festival des instrumentistes africains. Depuis maintenant 2 ans, Musicos permet aux musiciens de sortir peu à peu de l'anonymat en partageant leurs expériences au grand public à travers cet événement. En 2016, l'Africa Jamming Festival s'est déroulé sous le parrainage du président du conseil d'administration du bureau ivoirien du droit d'auteur Burida, M. Cyril Sylvain, et sous le parrainage artistique de M. David Taïro, artiste musicien, également sous la présence effective de M. José Da Silva, directeur général de Sony Music Afrique de l'Ouest, et de bien d'autres invités de marque. Les 1277 festivaliers ont assisté à un spectacle inédit grâce à ces musiciens venus de toute l'Afrique qui se sont succédés sur scène. L'Africa Jamming Festival est un événement qui propose une série de prestations où chaque musicien à l'affiche est mis en évidence en proposant une performance sur un style musical qui le définit au mieux. En 2017, l'Africa Jamming Festival, le festival des instrumentistes africains, a eu lieu à la même date, le 1er novembre, à l'espace Alokodrome de Yopougon-Niangon, à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Placé sous le thème de l'insertion de la femme dans tous les secteurs d'activité, ce sont au total plus de 300 musiciens venus de toute l'Afrique qui ont fait vibrer 3587 festivaliers au rythme de différents genres musicaux, en compagnie de la célèbre marque Castelbière. L'Africa Jamming Festival se positionne comme le festival par excellence de révélation de nouveaux talents, mais aussi et surtout le carrefour des grands musiciens d'ici et d'ailleurs. Revivons ensemble l'Africa Jamming Festival 2017. Vous ne voyez pas, mais derrière, il y a des centaines de personnes, une sono extraordinaire, et les meilleurs musiciens d'Abidjan, plusieurs de mes amis sont là. C'est pratiquement le seul gros festival de musiciens ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alors, que tout le monde puisse nous soutenir, enfin, soutenir le mouvement, pour que vraiment nous puissions aller plus haut. Jamais, c'est la classe, c'est le top, c'est la référence. The place to be, yeah, ciao. C'est une œuvre noble, parce qu'avant ça, il n'y avait rien. Il faut tirer le chapeau à ceux qui prennent les initiatives. Jam Festival, longue vie, vraiment, on prie Dieu que vous ayez plus de moyens à nous valoriser et à valoriser les jeunes talents. Et merci encore. Le festival, c'est un cadre d'expression qu'on offre à la jeunesse. Il y a des jeunes qui apprennent à jouer dans leur intimité familiale, dans l'intimité du quartier, et qui n'ont pas la chance de s'exprimer devant un public. Alors, ce festival donne ce cadre-là pour que chaque jeune s'exprime. Africa Jamming, vraiment des talents vraiment de haut niveau. On a été vraiment surpris, en moi petit coup de cœur pour Mix Queen. Pour moi en fait c'est une découverte en fait ce festival. Voilà, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre et je dois dire que je suis enchantée. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose
de merveilleux dans l'ambiance qui y règne. Et j'ai retrouvé avec plaisir des airs que je connaissais et découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Alors voilà, je remercie vraiment toute l'équipe du festival qui a organisé l'événement. L'équipe, c'est Musicas. Pour moi, c'était une découverte aussi. C'est la première édition à laquelle je participe. Et je tiens à remercier les organisateurs. Je trouve que le concept est vraiment bien de laisser la place aux musiciens aussi, qui sont souvent dans l'ombre. Et j'ai vraiment apprécié ce que j'ai entendu cet après-midi. L'année dernière, je sais que vous avez accompagné le festival avec des gadgets. Cette année, qu'est-ce que vous avez offert à Musicas Mag pour Africa Jamming Festival? L'on nous a demandé de nous occuper de l'aspect sécuritaire. Nous avons pris des dispositions avec les forces de l'ordre pour que la partie sécurité de ce festival-là soit gérée. Vive l'Africa Jamming Festival.